Salut, aujourd'hui on va continuer Shovel Knight. On va continuer la partie. La dernière fois on avait battu Spectre Knight, non sans difficulté, mais on est quand même passé. Et du coup cette fois-ci on va choisir un autre personnage à aller taper. Alors qu'il y a un petit chevalier doré qui se balade tout début, je sais pas trop ce qu'il fout là. Mais moi aujourd'hui j'ai bien envie d'aller péter la tête à King Knight. Strike the Earth. C'est parti mon kiki. Voilà, je compte les pierres pour l'instant. Commencer. Faire des petits scarabées. Putain, je suis tombé. Quel con, je pensais que c'était du sol. Oh, putain, stupide. Alors voilà, ça a bien joué quoi. Bien joué, Ashton. Ok, on la refait. Mon fils P. Oh, putain, alors ceux-là, pour les récupérer, ça va être chaud du cul quoi. Ok. Super chaud. Alors là, j'ai de la chance parce qu'ils sont tombés un petit peu plus haut, les sacs. Alors, quand t'as des sacs qui sont au-dessus d'un trou, c'est vraiment la merde. Alors, on va essayer de récupérer le dernier. Yes. Okay. Voilà, c'est bon. On reprend les affaires, on se concentre. Hein. On y croit. De 1. Oh putain, cheval de merde! Ah, c'est bon, j'ai pété tout seul. Là, il y a du feu qui tombe. Un peu de cheval. Oh putain! Wouhou! Est-ce qu'on peut les péter ces machins? Je crois. Bien gérer ton truc. On dégage le terrain. C'est parti. Putain, il y a des rats volants. C'est quoi ce truc? Oh merde! Putain. Chut. Bon, on continue gentiment. Scarabée. Putain, ils font des bruits bizarres les rats volants. Barrez-vous, bande de rats volants. Ah non, c'est le sorcier qui fait ce bruit là. Balance ça. Fireball. On évite et on te bourrine la tête. Voilà. Un petit coup de pelle en bas. Ah ouais, ça sent le secret là. Eh ouais. J'ai l'œil pour ça. Moi. Tu fais ce saut ou quoi? Voilà. Checkpoint. Et la bouffe, il n'y a pas de secret. Qu'est-ce que vous faites avec cette tête? Ça sent le secret, je sais pas où, mais... Non, c'est juste pour rigoler. Ah du coup il se protège en haut, bien joué. Très bon. Ah ouais, c'est pas de la tarte hein. Yes. Oh non, je vais pas lancer ça. On continue. Oh putain! Cheval de merde. Et en fait, ça aurait dû. Ah ouais, j'aurais dû. Alors, on va réessayer. On va la refaire moins crispée. Moins tendue. Un peu plus décontracte.
lui, ça marchera pas. Par contre, lui, c'est possible. Ya! Pas de secret ici, non? Je sais pas si ça valait la peine de s'emmerder pour ça. Mais bon, au moins, on l'a eu, c'est déjà pas mal. Et re-checkpoint. Oh putain! J'ai pas vu venir celle-là. On creuse, on creuse. Le scarabée. On peut dasher, on peut pas dasher. Oh, on peut monter sur ces trucs, ouais. Ça, je peux choper. Allez, on va pas laisser tomber, on va regarder ce que ça donne. J'ai un peu merdé. Mais un jour, je vais essayer de faire le volet le plus long. Ouh, ça a l'air compliqué, là. Parce que, à mon avis, tu tombes. Et en plus, il y a de la... Putain, qu'est-ce que je fais, là? Non mais ça m'a l'air optionnel parce que je pourrais très bien monter par cette échelle. Est-ce que je le tente? J'avais un checkpoint avant, il n'y a pas longtemps. C'est tentable. Yes. Et après? Oh! Une porte dérobée. J'appuie vers le bas et bim, j'arrive sur la porte dérobée. Et là, il y a un putain de trésor. Faut pas se planter. Oh putain! Il y avait un putain de... Ah, crochet de merde. Ah, fais chier. Et là, du coup, je suis obligé de repasser à cet endroit-là pour aller récupérer ces merdes de fric que j'ai oublié, là, que j'ai perdu. Ça fait chier. Là, je me suis mis dans une merde pas possible. Oh bordel de merde, la fois pied vers le bas. Et puis en plus ils sont éparpillés ces saloperies. Ah, déjà on va casser ces merdes qui m'ont bien fait chier avant. Voilà. Maintenant on y croit. En fait on va le refaire. Voilà. Ça, on a récupéré les sacs de tubes. Faut bien se mettre en face. Ou alors faut juste attendre. Je sais pas. C'est pas très clair. Bien fait l'animation. Je sais pas. Ouais, faut attendre. Alors comme dans Castlevania 2, faut se baisser pendant 3 secondes et attendre. Et hop, hop, hop là. Ils sont malins, ils ont laissé 2 pour revenir. Et hop, on cherche. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Oh, Chester! Dans le village ou out in the field? Dans la campagne ou dans la ville? J'ai tous les deals! Ah, trop drôle, mec. Tu ne vas pas croire ce que je viens juste de trouver dans ce trésor. C'est moi qui viens de trouver le trésor, connard. Et donc, du coup, il va me vendre cette merde. Ça a l'air intéressant, quand même. À 1000, puis j'ai 6514 sur le chilet. Pour emmerder, hein. Hop. Donc, du coup maintenant j'ai deux items. J'ai le flare wand et la cire du chaos. Donc le flare wand c'est le bâton de flamme. Grosso modo, hein. Je vais pas vous faire de la traduction anglaise de classe. Bâton de feu quoi. Donc c'est un bâton qui shoot des boules de feu. Genre ça fait comment en vrai? Non, je vais pas te parler à toi. Ah, c'est comme le sorcier de tout à l'heure. Ok. Sympa. Hop là, on est trop merdé. Hein. Là, j'attends, je touche à rien. Ouais, il y a vraiment une minute. Je t'attends. Donc là, il va falloir refaire tout dans l'autre sens. Chaud du cul. Du coup, je t'attends. Ça, c'est facile. Eh ben, ça valait la peine, hein. Ça valait la peine. On continue l'aventure. Là il y a de la metteur, et de la magie partout. Et ben on se fait merde, et moi je fais. Moi j'ai pas besoin de charger mec, là je te pète la tête. Voilà. Eh c'est qui le patron? C'est un peu trop facile en fait, j'ai envie de dire. Là ils sont pas. Je me dis il allait avoir une bombe, mais non. En fait c'est pour s'entraîner à balancer de la
lancer des boules de feu. Avec ses têtes, il y a sûrement un secret. Oh, j'ai un peu merdé là, je crois. Ah, un petit coup de pelle en bas et hop, ça fait l'hiver. Par contre, là, je peux pas remonter, je me suis foutu dans la merde tout seul. Comme un grand. On va la refaire. Ah bah non, on va pas la refaire en fait. Ah putain, ah, j'ai déconné là. J'ai déconné. On va se faire là pour aller chercher cette échelle. Ça va être chaud. C'est quand même pas possible. Ah putain, j'ai déconné, j'ai merdé. Là, j'ai grave merdé. Donc, ça veut dire que Melissa, c'est un secret que je vais pas pouvoir choper, donc je vais devoir monter cette échelle. Très déçu là, très déçu, Ashton. Là, tu crois. Là. Est-ce qu'on peut creuser en zone comme ça? Non. Sinon, il y a un rocher en haut là. Que je peux pas vraiment l'atteindre. Hmm. Ça sent le secret là aussi. Oh, il y a des gemmes derrière les drapeaux là, tant content. 5. Et juste. Ah, non, là aussi. Il n'y a pas de petit profit comme on dit. Et là, il y a un griffon. Oh putain, salaud! Si je me mets là, je pense qu'il ne touche pas. Là, je peux après... Oh putain, l'info 2, j'ai oublié. De merde. 1, 2, et bim. Je sais pas comment l'énergie là. Bah ouais. En tout cas là on l'a plus. Ouh là là, c'est bizance là. Je fais de la thune, la boue, tout ça. Ensuite l'attaque des rats volants. Oh putain, pas tombé. Ils sont un peu lents quoi. Tac, tac, ah, merde. Paume une gemme. Celle-là je vais pas la paumer. En fait, ce mouvement un peu lent, c'est assez stressant parce que tu te dis... Waouh, c'est beau ça. Une pomme. Peut-être que j'aurais pu utiliser les rats pour monter au-dessus. Là. Ça aurait été une bonne idée. Pour l'instant, on va la jouer simple. Je pense qu'on va prendre le chemin qui était prévu pour le joueur de base que je suis. Et puis après, on verra bien. Alors là, on va essayer de bien timer. Voilà. On va se faire prendre son lit, je parle des chevaux. On va leur péter la teuté. Non, même pas, non. On va se péter tout seul. Des cons. Ah. Là, par contre, il y a un secret. Petit secret. Ah, par contre, j'ai le saut chopé. Ah merde, j'ai perdu la gemme verte. J'aime bien quand il y a des ennemis un peu durs comme ça, où ça prend un peu du temps à lutter. Oula. Facile mais quand même un peu challenging. Un checkpoint, une porte, une fausse porte. Non, c'est un bouquin. Ah, c'est un bouquin qui... Un bouquin qui crée des plateformes. C'est trop chaud. Oh, mais un gros secret. Ah, il y a les plateformes à la con. C'est toujours un peu stressant ces plateformes. Oui. C'est acrobatique là. Bon, j'ai raté les deux gemmes bleues, là, mais c'est pas très grave. On va faire avec, ou plutôt on va faire sans. Alors là on va choper ces merdes. Oh bien joué. Je suis fier de moi. Je sais, c'est pas très humble de ma part. Après, un, deux. Par contre, c'était un peu inutile ce qu'on va faire. Ah, mais quel con! Faut bourrer quoi.
pas se merder. Oh là là, c'était chaud. Chaud. Alors là, il y a de la bouffe, mais il faut pas non plus se laisser déconcentrer. Voilà. Je sais pas si je fais bien de récupérer tout ça, et ça pourrait servir plus tard pour revenir en arrière, reprendre l'énergie. Tant pis. Hein. On continue à aller avant. Ouh. Encore un griffon, anticorps, whatever. Putain, il y en a deux, mais je suis con, j'ai oublié que je suis stupide. Petit coup de griffe à la con. Et après, putain. One, two, et coup de la tête. Putain, mais je joue mal. Oh, puis je vais prendre le bon coup de griffe à la con, je suis vraiment merci. Heureusement qu'il y a l'énergie à la clé. On va dépasser les 7000 gold. La richesse quoi. Beaucoup d'items hein, c'est facile à récupérer quoi. Ah, King Knight, King Knight. Ah, oh là là, il parle de façon assez pédante hein. Un interloper is now missed, ça veut dire un peu un intrus et chez nous quoi. Dégage de la salle du trône. Je suis plus un intrus. Non, je ne suis moins un intrus que toi. C'est compliqué, hein. Tu n'es même pas un vrai roi. Oh là là, il y a de la littérature. Attention, le script de fou. En gros, ils sont tous faits arnaquer par l'enchanteresse qui lui fait croire que, qui leur fait croire que c'est les meilleurs, les plus beaux, machin. Prépare-toi à goûter la justice. La justice de l'appel! Je dis la peine de la justice. C'est parti. Défoncer la gueule à King Knight, le chevalier roi. Putain, il me pétait, ouais. Peut-être, ouais. Moi, je rebondis sur ta tête, mec. J'ai pris le rythme. Oh putain. What the fuck. C'est quoi ces merdes? Pas mal l'attaque, on peut pas les tuer ces trucs-là, on peut juste les éviter. Ah, c'est qu'il leur balance ce con. Les trompettes de la victoire, ouais, c'est ça, je vais te les faire. Fous ton cul les trompettes de la victoire. Tiens. Tiens, bouffe. Oh bordel, ah ça fait mal aussi. Salaud. Et voilà le travail. C'est presque trop facile. Voilà, c'est qui le patron, c'est qui le boss, c'est qui le roi. Le roi, c'est moi. Et je brandis ma pelle comme un sceptre. C'est moi le roi de la pelle. Bon bah voilà, c'était assez facile finalement de péter sa tête à King Knight. A mon avis, j'ai raté pas mal de secrets. Et il faudra peut-être que je revienne pour un peu aller dans les petits recoins, choper des trésors ou des partitions, parce qu'à mon avis, il devrait aussi y avoir d'autres papiers à musique cachés là-dedans. Bon, bah, je pense qu'on va s'arrêter pour ce coup-là. Ah, ah, non, attends, il y a Shin Knight qui tombe du ciel. Je pense qu'il faut que je le catch encore une fois. Saver. Oh putain, maintenant, il y a des ennemis. Sa mère. Putain, et... grenouilles, elles sont électrifiées. C'est chaud. Voilà. J'espère que j'ai bien fait. Peut-être qu'il fallait tuer tous les boss avant... tous les ennemis avant que Shield Knight arrive. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que Shield Knight, c'est une femme. Je sens pas... Peut-être parce qu'il dit save her et que her c'est pour les femmes en fait. C'est peut-être pour ça qu'en fait j'ai compris que Shield Knight c'était une femme. C'est assez cool en fait. Un chevalier femme. Ça me plaît. Cette scène là avec le feu qui est en train de s'éteindre et Shovel Knight qui dort. C'est magnifique, splendide. Est-ce qu'on peut le réveiller juste en bougeant la croix comme ça? Réveille-toi! Non, on est obligé de sauter. Et voilà. Par contre, là, il y a un trésor. Très intéressant. Qu'est-ce qu'on chope dans ce trésor?
Un mille tickets. Ah, pour aller upgrader la santé. Donc ça va faire un point de vie en plus, ça c'est très bon. Très très bon. Bon bah voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette fois et puis on se retrouve pour un prochain épisode avec un autre chevalier à buter. À bientôt!